Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du radis. Oui, qu'il soit rouge, qu'il soit noir ou même blanc, c'est un légume croquant, rafraîchissant et légèrement piquant. Ses feuilles sont aussi comestibles. Pour la plupart des crucifères, il contient des antioxydants, des composés bioactifs qui protègent et luttent contre les cancers. Permettent aussi de lutter contre la jaunisse, les hémorroïdes, les troubles urinaires, la perte de poids, la constipation, les troubles respiratoires, la bronchite et l'asthme, la tension artérielle, les problèmes cardiovasculaires, les troubles rénaux, la fièvre, les piqûres d'insectes, la déshydratation, les problèmes respiratoires, les maux de gorge, contient énormément de vitamine C et aide à la santé du système immunitaire. Bien sûr, aide au bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Permet de lutter contre beaucoup de types de cancers. Surtout, je voudrais vous parler aujourd'hui de cela pour les troubles cutanés. La vitamine C, le phosphore, le zinc et quelques composants de vitamine B complexes qui sont présents dans le radis sont bons pour votre peau. L'eau dans le radis aide à maintenir un niveau d'immunité sain dans la peau. Le radis cru écrasé est un bon démaquillant et sert à des masques de beauté très efficaces. En raison de ses propriétés désinfectantes, le radis aide aussi à nettoyer les troubles cutanés tels que la peau sèche, les éruptions, les fissures, le vitiligo ou encore les leucodermes. Oui, c'est une maladie de peau caractérisée par l'apparition des taches blanches partout sur le corps. Ce traitement à base de radis est très efficace à domicile pour lutter contre le vitiligo. Oui, mes amours, prenez des grains de radis et du vinaigre de cidre. Ces deux éléments fonctionnent très bien ensemble pour traiter votre vitiligo. Ce dont vous aurez besoin, 4 cuillères à soupe de grains de radis, environ 40 g, un jet de vinaigre de cidre, environ 1 cuillère. Mettez les grains de radis dans un verre, couvrez avec du vinaigre, laissez tremper toute la nuit. Le lendemain matin, écrasez les grains pour obtenir une pâte. Appliquez sur les taches blanches et laissez poser 2 heures. Rincez à l'eau tiède. Répétez cela environ 3 fois par semaine. Vous allez voir, ce sera exceptionnel pour vous. Par ailleurs, je me dois de vous dire qu'une surconsommation de radis peut nuire à votre santé. Je vous explique pourquoi. Les radis peuvent conduire à beaucoup de pathologies, des maladies rares et méconnues. Certains médecins recommandent généralement de manger des radis pas plus d'une fois par semaine. Sachez que l'utilisation de ces racines ont un effet irritant sur l'estomac et les intestins. Donc, les ulcères gastriques, la colite, l'entérocolite. Dans certains cas, les nutritionnistes interdisent de manger les radis en même temps que le fromage, surtout le soir avant d'aller au coucher. Les conséquences pourraient être désastreuses. N'hésitez pas à partager le contenu de cette vidéo pour que ça touche un maximum de personnes. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez et commentez. Bisous, bisous.